Donc on a fait des petites photos avant parce que en fait parfois ça arrive qu'on n'en fasse pas. Donc le look là avec les chaussettes, c'est volontaire aussi? Ouais. C'est ça le... C'est le voyage trip, c'est le voyage drip. Là on sera pas matching, hein. Bah, on n'aura pas de matching outfit là. C'est dommage, t'as pas compris le thème. Il y a à l'aise et à l'aise quand même. Là je suis à l'aise. Premier repas. Et puis, très diététique. Très diète. Très diététique. Malheureusement, il n'y a pas le food package. Mais bon, on fait avec. D'accord. Là. C'est la Coupe du Monde, donc on reste dans le thème. À défaut de t'offrir la PS5. J'ai trouvé un bon contrepartie. On est arrivé. Du coup, tu dis la destination. C'est quoi la destination là? Lisbonne. Okay. 5 minutes? Ok, thank okay, you. Ok, thank you. Donc, on attend. Hein. On est à Lisbonne, ma femme. Tout ça. Madame a voulu retirer, elle m'a dit vous venez venir nous chercher. Voilà. Merci Doudou. Bon, les amis, on est de retour. Avec une petite surprise faite par madame. Donc, actuellement, il est 5h. Et on est à l'aéroport. Et madame mène un voyage. J'ai droit à un. Mounia vient de m'expliquer, bon, notre nom n'apparaît plus sur le tableau là, enfin sur le plexi. En gros, bleu ça veut dire service privé. Et quand tu es en blanc, ça veut dire que tu seras dans l'espèce de minibus pour Amer Place. Donc, c'est Cali. T'as fait toutes les émotions. Guten Appetit. Guten Appetit. Thank you. Ciao. L'anniversaire. Regardez son look. Il a vraiment l'air malade. Hein. Je suis en pleine forme. T'as bien mangé? Je pense que c'est bon. Hein. C'est grave bon. Je sais pas si j'ai une petite faim encore, mais c'est très très bon. Franchement, délicieux. On a pris des pâtes bénédictes. Ouais. Franchement, avec du saumon. Pâtes bénédictes sans gluten. Je pense qu'il est hyper. Mmh. Wonderful. Rien à dire. Bon, là il pleut. Je suis avec Christus. Il a sacrifié son parapluie pour moi. Donc là, on se promène dans les rues. On va se rendre à la rue Pink Street. Et là, je vous montre un peu les ruelles. Très mignon, très cosy. On est. Thank you.
Ouais, en direct du Mercado, en direct de Lisboa. Ici, vous avez toutes sortes de mets. Vous avez du poisson, de la viande. Mais regarde, tu peux venir ici pour regarder le match. Non. Non? Futebol. La personne avec qui on va faire le tuk-tuk peut-être. Là, on rentre à l'hôtel. On va se reposer parce que on n'a pas pu se reposer depuis qu'on est arrivé. Même si on a eu que 2 heures de vol, on est fatigué. Enfin, surtout moi. Je ne sais pas si tu es fatigué, Christos. Moi, ça va. Comme on est en mouvement, ça va. Tout à l'heure, quand on mangeait, là, quand je t'ai posé, ça, je chantais la fatigue. Mais là, comme on bougeait, on marchait. Ça va. Ouais. En tout cas, c'est très atypique. Il y a plein de styles de quartiers différents. Il y a plein de styles de quartiers différents. Et je trouve que c'est grand quand même. C'est grand. Grand. Ouais. Et franchement, on a très bien mangé. Ouais, c'était bon. On a très bien mangé. Là, on va se reposer, on va regarder le match. Et ce soir, on ira au resto. Pour mon anniversaire. Peut-être que vous ne savez pas, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Donc c'était dans les commentaires, c'était mon jour d'anniversaire, hein, même si ça sort plus tard. C'était mon jour d'anniversaire, s'il vous plaît. Finir une petite séance de shooting là, donc je pense que Mounia va publier ça au calme. Donc là, le petit outfit, on est en mode black love, you know. So, on change pas une équipe qui gagne. Voilà un peu les de la caméra là. Ah, voilà. Donc, là, on va aller manger. On est de sortie. Bisous. Alors là, du coup, on passe à la deuxième partie de la soirée. Donc là, on est dans le hall, on attend le taxi. On s'est fait tout beau pour le birthday boy qui se trouve juste ici. Hey guys, il répond à tous ses messages. It's my birthday. Fais un petit merci général à toutes les personnes pour ton anniversaire. En tout cas, les gars, les filles, les dames, les messieurs, je vous remercie. C'est un grand plaisir de fêter avec vous ce 30 novembre 2022. En tout cas, merci pour tous vos souhaits, les appels, les messages. Je vous love fort. C'est comme ça le cœur maintenant. Vas-y, moi je suis pas dans les bails comme ça. Là. Ah, t'es trop vieux. C'est comme ça. Moi je suis dans le classique. Allez, fais l'autre côté. Je sais pas comment faire, mais... Ça, je sais pas ce que c'est. En fait, c'est un cœur qui va vers le ciel. D'accord, ok. Tu vois, un cœur angélique. De ouf. Donc non, franchement, merci. Plus sérieusement, merci pour tout. Je vous aime. Merci à la commu. Donc, on a fait des petites photos avant parce que, en fait, parfois, ça arrive qu'on n'en fasse pas. Et on a pris tellement de temps pour s'apprêter, enfin, surtout moi. Mais du coup, on a réservé pour un restaurant sympa qui s'appelle Sin. Je crois que ça se prononce comme ça. Ouais. Donc là, on attend le Uber. Pourtant, ça a combien de temps à pied? Je crois que c'est à 15 minutes. Mais c'est un petit peu en pente, il y a des galets partout. Moi, je suis en talon, c'est pas très pratique. Donc voilà, donc de toute façon, on vous amène avec nous. Et là, on est dans le hall. Je pense que je vais vous montrer ça demain. Le hall est vraiment très très beau.
dame a droit à un service de qualité. Ça va, hein? Thank you very much. Au final, c'est mon anniversaire. Moi, je comprends pas. Mais ça va, il m'a tenu la porte aussi. Il m'a donné le parapluie aussi. Tout ça, on connaît. En tout cas, le cadre est magnifique. Donc, on va aller manger au restaurant. Si! L'anniversaire. On va manger. On est arrivé à destination. Moi, personnellement, j'ai trop faim. C'est bien beau, c'est joli. Tralali, tralala. Mais là, pour manger. Les toilettes, elles sont super belles. Toilettes des femmes. Du coup, là, je suis allée faire diversion parce que j'ai pas pu réserver. Enfin, quand j'ai réservé au téléphone, en fait, Christos est à côté de moi. Donc là, on a commandé le dessert et comme d'habitude, hein, je suis allée voir le serveur pour lui demander si c'était possible qu'il vienne avec les petites bougies et tout. Donc là, je pense que Christos ne s'y attend pas parce que quand j'ai réservé, il est à côté de moi. Donc il a entendu que j'ai pas demandé de choses spéciales. Mais bon, comme il y a eu un petit loupé à l'hôtel, parce que j'avais fait une demande pour dire que, en fait, pour les hôtels, vous pouvez faire des demandes un peu spéciales et dire que voilà, vous venez pour un anniversaire, une lune de miel, la retraite, etc. Et en fait, il y a des hôtels qui font des petites choses, une petite déco, pas forcément quelque chose de monnayable. Et j'avais fait la demande et bon, finalement, ils l'ont pas bien reçu. Donc je me suis dit, bon, on va essayer de marquer le coup quand même au restaurant. Donc voilà, on a commandé les desserts. Donc j'ai fait diversion. J'ai fait diversion pour aller en disant que j'allais aux toilettes pour organiser un petit peu tout ça. Joyeux anniversaire! Merci beaucoup. Thank you.
On est fatigué. C'est fini. C'est fini. Terminado. Plus son anniversaire. On peut passer à autre chose. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour tout. T'en prie. On se retrouve pour le deuxième jour. Hello guys. J'ai envie de nous faire écraser en fait. Donc je disais, parce que ça serait bête de se faire écraser en vlogant. Donc là, aujourd'hui, c'est férié au Portugal et on va tester le métro. Et c'est pas gratuit. Oh, c'est fermé. On va faire ça ici. Hein. Franchement, si vous parlez pas anglais, c'est compliqué. On a galéré à acheter le ticket. Ça a bugué un petit peu, mais bon, c'est bon, on s'en est sorti. Finalement, on a pris un ticket qui est valable 24 heures et ça nous a coûté 6,45€ pour 24 heures. Donc valable pour les bus et les métros. Donc là, aujourd'hui et demain, on va essayer de maximiser ça au mieux pour prendre les transports, prendre que les transports et découvrir les transports en commun du Portugal, de Lisbonne en particulier. Quelque chose à rajouter ? Non, c'est pas cher. Ouais. Pour deux, ça nous a fait du coup 13,90€. Donc, en sachant qu'il faut. Enfin, je vous montre. En fait, c'est zone 3 et 4. Sachant que. On a pris aussi une carte rechargeable, qui est en papier d'ailleurs, c'est drôle. Non mais c'est marqué là-bas, je suis en anglais. C'est marqué en anglais là, attends. Ah j'ai pas... Ah. Je me dis Merry ça. Christmas and happy travel. Ok, ça. Il faut attendre un tout petit peu que ça change. Sympa. Alors, c'est pas où vous me voyez. Sinon viens, on échange de côté. Du coup, là, on s'est posé à la grande place et on va déguster des pastéis de nata. De nata. De nata. Toi, quand je te filme, tu baisses la tête. Je savais pas que tu me filmais ça. Tiens. Bon, Mounia veut que je la filme. J'étais à cette place-là. Ils nous ont donné ce sachet. C'est quoi ? C'est de la cannelle, il y a. Mais je crois que c'est pas la même chose, hein. Ah, je crois que ouais, c'est de la cannelle. Et là, il y a aquakuka. Ah, donc tu veux quoi, du aquakuka? Je pense que je vais manger nature d'abord. Donc les fameux pastéis de nata. Tu n'as jamais mangé? Si, j'en ai déjà mangé, mais du coup, ça c'est les fameux pastéis de nata. C'est une pâtisserie portugaise. Donc c'est un flan en fait. Et oui, j'en ai déjà mangé, mais pas jamais au Portugal. Et la fois où j'en ai mangé, c'était au KFC. Au KFC ? Ouais. Ils en faisaient, c'était bon, j'aimais beaucoup. Donc là, on va voir. Je pense que tu vas aimer. Hein. Je sais. C'est pas bon. Tu.
Night. On se promène un peu dans le quartier de l'hôtel. Je me suis grave couvert parce que j'ai grave froid. La température elle a grave chuté. Donc là on s'aventure au marché de Noël. Santé. Donc là on a pris du vin chaud. C'est bon? En fait c'est comme de la sangria un peu. En tout cas ça réchauffe. C'est bon? Hop, donc là on a pris la boisson et on va aller prendre la nourriture. Le groupe qu'on montre, hein. Alors, attendez, c'est un peu de loin. Et en fait avec Christophe on s'est rendu compte que c'était du playback. Ah c'est du playback. Ouais. Mais bon c'est sympa, ça fait une petite animation. Du coup là on a commandé, je sais pas comment ça s'appelle. C'est du pain chaud avec de la saucisse portugaise. Saucisse épicée portugaise. Voilà. Donc c'est une pâte. Et ils mettent la saucisse à l'intérieur et ils le mettent au four. Donc on va goûter. On a pris des frites aussi. C'était dégueulasse! Non, arrête de dire des trucs comme ça, c'est pas vrai! Il n'y avait aucun goût dans mon truc. Je suis désolé, il y avait zéro goût. Non, on a découvert quelque chose de nouveau. Il y avait zéro goût. Christus n'a pas très apprécié. Non. Moi, je dis la vérité, il y avait zéro goût. Bref. Je voulais tester un truc. La luminosité, elle est bien là. Eh, ne prenez pas de hot bread avec du spicy sausage from this market, c'est pas bon. Tranquillidad. We are at the Champs-Élysées du port de Lisboa. Ça veut dire de quelle ville? Du Portugal, j'allais dire. Ouh là là, on est amoureux. Tu es amoureux. Amoureux. Tu es... Je suis amoureux. C'est animé. Soit écrasé. Qui nous? Nous? Le monsieur. Pour ça, ses amis, ils crient comme ça? Ouais. Christus m'amène quelque part. Donc là, on va faire Mounia, du... Mounia veut faire du shopping. Du lèche-vitrine, c'est fermé là. Parce que c'est férié aujourd'hui. Non, mais là, c'est... Au Portugal. C'est ouvert. Hein. Ouais, mais là, vu l'heure qu'il est... Non, mais là, c'est private shopping. Ah, private shopping. C'est pour les... C'est que pour les mecs hype et les meufs hype. On l'est pas encore. Non. Not yet. Moi je suis hype. Si toi tu t'es pas hype. Ok, hype. D'accord. Tu veux pas commencer par quel magasin? Non mais on fait toute l'avenue. Là du coup c'est quartier. Un peu plus loin il y a Louis Vuitton, Bulgari. Parce que je suis passé tout à l'heure. J'ai fait une résa. Ah ouais? T'as fait une résa où?
Mais je suis quartier. Non. Stock. Non, ça va aller. Là, c'est que le private shopping. Private shopping, bah oui. On se promène. Je sais pas si le directeur artistique de Versace est congolais, mais je trouve que le style, ça fait très congolisé. Christos. Mais pourquoi tu me filmes quand tu dis ça? Mais t'es avec vous. T'as suivi quoi par là? Mais t'es congolais. Ah bon? Bah oui. Moi, je suis congolais, moi. Moi, je trouve, regarde, c'est des chaussures un peu comme toi. Sauf que toi, tu les as en bleu. Ça n'a rien à voir, ça, c'est des Nike. Christos, tu peux très bien t'habiller comme ce gars-là. Non, tu m'as déjà vu habiller comme ça depuis qu'on se connaît? Franchement, t'as un peu ton pantalon bout, il est comme ça. Moi, je peux m'habiller comme la fille. Oui. Avec ses talons? Ouais. N'importe quoi. Si, si. Non, j'ai pas bien vu. Merci. Je te connais quand même. Non, mais je pense que le... En fait, Christos, il est pas concentré dans la discussion parce qu'il y a un match de foot. Non, mais je rate beaucoup de matchs, là. J'ai raté au moins... Depuis hier, Excuse-moi depuis de hier, te faire voyager. Depuis hier, j'ai raté. Excuse-moi de te faire voyager, Christos. J'ai dû rater 16 matchs. Il est vraiment ingrat, votre pote. Bah ouais, j'ai raté les 4 matchs de 16h, les 4 matchs de 20h, les 4 matchs de 16h aujourd'hui. Et là, actuellement, ça joue. Donc là, actuellement, comme quand vous verrez la vidéo, bien évidemment, les matchs seront terminés. Mais actuellement, il y a Japon-Espagne. Il y a 1-0 pour l'Espagne. Et il y a 1-0 pour l'Allemagne, pour le Costa Rica. Donc, malgré tout, je follow quand même les scores. C'est bien, c'est bien. Donc, je regarde pas les images, mais... Super. Bon, ah, on continue notre promenade. J'espère au moins voir un peu la fin des huitièmes de finale de la France. Ça sera compliqué. Bon. Vous savez, quand j'ai pris mes billets, il n'y avait pas encore... Quand j'ai pris les billets, il n'y avait pas. Si, il y avait. J'ai pris ça, non? Tu dois savoir. Tu dois faire les calculs. Non, j'ai regardé s'il n'y avait pas les matchs et tout. J'ai juste vu que le 30, s'il y avait l'équipe de France qui jouait, c'est tout. Hein. Oui, parce que, vous voyez comment je me fais gronder? Parce qu'en fait... Les huitièmes de finale, faut essayer de faire les calculs, Mounia. Il fallait, tu sais, fallait me poser des questions. Ouais, tu penses que la France va finir première de son groupe et tout. Non, mais je sais même pas, je savais pas qu'il y avait première, dernière. Bah, quand t'es dernier, t'es éliminé. D'accord, ok. Hein? Ça marche. Bon, on continue. Ah, ah là là. Quoi? On continue notre promenade. Il est en train d'apprendre. C'est une pancréas. C'est un pancréas? Still, it's true. Ouais. Mais tu sais que là, on est arrivé déjà au bout du marché. Parce que t'as une zone. Parce que là, après. Il n'y a même pas un drapeau de la France. Vraiment, c'est des. Vraiment, des haters, ces gars-là. C'est bon, madame est contente, elle retrouve le sourire, l'écran est plus balèze. Le fameux Yellow Boat.
sonné de l'ascenseur. On a pris c'est des beignets de morue, donc comme des acras, avec un verre de Porto, donc c'est du vin. Et du coup, l'ascenseur. Par contre, juste une petite expérience portugaise. Et c'est sympa parce que regardez ça et le verre. C'est ça. La fameuse tour de BM avec Mister en pleine nuit. Ouais. Mais bon, c'était un trajet pour arriver jusqu'ici quand même. C'est un voyage, effectivement. Ouais. On est passé devant tout à l'heure via le bateau. Et là, c'est une espèce de grande place. Ah ouais, mais ça fait long avec la GoPro. Et du coup voilà, là on voit un train qui passe. Des gens qui font du jogging. Très sympa. Il y a la version miniature. Où ça? Ah ouais. Et là, nous avons la version mini. Bon, on va faire des petites photos et on va se promener. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier jour. On va aller à Cristo Rey. Et on va essayer d'aller aussi au Palais Sintra. Donc là, on essaie de tester un peu différents types de transports. Hier, on a testé le métro et le tram. Et aujourd'hui, on teste le bus. Qu'est-ce que tu as à dire? On va, hein. On va espérer que le trajet ne soit pas trop long. Ouais, si le trajet, par contre, il va être long. C'est quand même de l'autre côté. Ouais. Donc voilà, là, on prend le bus et on vous emmène avec nous. On prend des risques hein, pour vloguer. Hein. Risque du métier. Donc, on marche jusqu'à Cristo Rey. Nous avons survécu à la montée. Je mets mon écharpe comme ça parce que j'ai laissé mes cheveux, donc la pluie is not my best friend. Mais ouais, on est arrivé en haut. C'était une longue montée. Ça a travaillé les cuisses. Là du coup on est arrivé presque au pied du Christos Rey. Là il y a Christos tout là-bas. Donc on va continuer à marcher et voir un peu. Mais voilà, on continue sur notre élan. Pardon? Non, je parle à la vidéo. Je trouve que les activités ici, ça se termine assez tôt.
voyez. À 18h, c'est terminé. Aïe, aïe, aïe. Les voitures, comment elles abîment leur carrosserie. J'ai mal pour eux. Voilà, donc on marche, on marche. Là, je suis rentrée dans le sanctuaire du Christos Rey. Et hier, du coup, on a appris que c'était un cadeau en reconnaissance du fait que les Portugais ne se sont pas engagés dans la Seconde Guerre mondiale. Mais on ne se souvient plus de qui leur a offert ce cadeau. Donc on va peut-être en savoir plus.